C'est par conviction que l'entreprise de transport Moisy fait depuis bien longtemps des choix écologiques. Depuis 2 ans, elle équipe petit à petit son parc de 36 véhicules pour en limiter la consommation de gasoil et le rejet de CO2. Une initiative qui implique une conduite adaptée, comme la limitation à 85 km/h au lieu de 90 ou l'utilisation de boîtes automatiques, mais aussi l'installation de nombreux éléments techniques. Pour réduire la consommation, plusieurs choses sont nécessaires. Déjà sur le plan aérodynamique, on a nécessité d'un déflecteur sur le toit, sur le côté, et puis des jupes latérales. Ensuite, il y a tout ce qui est pneumatique. Au niveau pneumatique, nous travaillons avec des pneus verts. On vérifie de façon régulière les pressions de pneumatique grâce à des capteurs. Ensuite, il y a des enjoliveurs aussi qui permettent une meilleure pénétration dans l'air. Mais ce n'est pas tout. À bord, le boîtier d'informatique embarqué joue un rôle important puisqu'il permet d'extraire des données liées à la consommation. Quant au moteur de 460 chevaux à la norme Euro 5, sa consommation en gasoil est de 26 litres au 100 au lieu de 33 pour un véhicule d'une génération antérieure. Un litre de carburant de moins consommé au 100 km, sur la base de 100 000 km par an, ça fait 1000 litres, on est prêt à 1000 euros. Donc en 2 ans, le boîtier électronique est payé. La signature de la charte Objectif CO2, les transporteurs s'engagent, n'est donc pas un déclencheur, mais bien une mise en lumière de l'effort réalisé. Nous avons signé aussi la charte CO2, c'est pour nous rendre plus lisibles par rapport à nos clients, parce que ainsi ils vont maintenant être informés, ils vont connaître et savoir que nous œuvrons au quotidien pour une amélioration de notre environnement et puis pour une diminution de notre consommation d'énergie par voie de conséquence pollution. L'entreprise Moisy est presque une entreprise militante puisqu'elle souhaite, en montrant l'exemple, inciter d'autres structures, tout comme son personnel, à agir pour l'environnement.